الدنيا أن لم نعي أنتم تعليم كوير أنت الدنيا صلى بك Elle pousse à s'en aller, yam de fagil hiki rotonde, dunia we visa nasa, zabra kanaman video mori, et naman alane, et nasar bileton me hentara, la nanda, et data mending sing sine video a 2 minutes, ne mori, et pousse à en être sans bise fagili, singul rotonde, Burkina Faso, la zamanzense, et dicker sine wa king pelse, en tahadu, ne woto wende, et sans bise, et tenga, bise en inimban rapoa, a nimban en inimpo en simbiwa. Er katoron le ben tarasen er menga yelle er katoron le ben yalse e yetine ben dikat sene wa gum yorin ta ha tondo e yala ye nyam san be sene mo point ya ti sak sene gwabra le sakri tongo ki en rek da sene ro lo bu to en dornia e ya ti sak ti yam ha wa yeti rat mana sene mori mo bu fa gili yam san watin be point ne ban nawa ki en ipelse ne ban nawa e tuya la bi wane gwambu fa gili la ya ti pasene e mo point de nata bon fansa ene tenga de tenga fanre ya sitara tamti ne ba fan la ne bambe on patron nasa ene fanre pour ne bambe ti rib santes ba yel ni bout fan gilbe ye tibi yin toroti ya ziri bout sunna en kiti ne ba ninde pukki ya ni la kene ngan ta hade en yihide tiam hanke ko sa ene goma yitira manora sida kale bon wori parce yel ni sun bi woner ka bebe ye tiye panne sa ene yel ni sun manda ner ka bebe ye tivi ma ya kankanwa akasi hede yende la runo ne ben yak yam ye ti bam me sam pam ti ne ti ne bamba la bam sam pam ti bam bi won la fi bi ne ba ta ba nim ba na kale bam pak bamba ne ba ta ba nya ba kale bam pak bamba bam sam pete ka ya bi yi won ne ba kite ti ne ba ray le ben ton re yen sa ne si dai la se le pam par me ya sun nan to ne bam pa yit ka ndat le ro won ne bam tour ma kier ye tam ti mam pa nyat bam go ma fi facebook won tiktok po nyat tam la ya bwila na man net son tout fout fou kamie ayo net han wa tout fout fou kamie et fou gom da fou me yit ka ka na yin tout ner ya na yin tout fou men takade tien dam tine da tout me ha wa tara han takade yitin tout sa me la sabah ha wa nyak yam yin tout fou bwila ten mane ayo ton katat pangan tout ner ya neb kien reyla me ti bam gien da mama ti mam be yon mam zwe me ti bam gien da mama e na sa tien ga nere ka gien yik den gien da wote fou handa ta sababala fou na nyal numero bebe le ben te pahaden tien ni ton ten be yon fo yen ya commissaire ji fo ya la be won yi ta zala la fo data minute nu ta zala wa le bon pa me bo yela ya wusko la panan ke point den ya re balam data nan ke ni pelse la pousa ne nebni si c'est un king de pelsa la nier de menga Burkina Faso na pam la fi wo ne wo to wende. Donc voilà madame et monsieur, bonsoir et merci une fois de plus pour la fidélité. Ce soir je vais d'abord commencer à interpeller les politiciens, ceux voilà qui ont déjà dirigé ce pays, ceux qui ont des partis politiques, ceux qui aspirent à diriger ce pays. Je voudrais d'abord commencer par eux, parce que vous savez, la CGTB a décidé d'aller de faire une conférence de presse ou en tout cas un meeting le 31 octobre. Et depuis l'annonce,
on a vu sur la toile beaucoup de personnes commencer à s'attaquer à la CGTB. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est de m'adresser à ces politiciens. Il ne faut pas croire que vous allez rester dans l'ombre et venir profiter de la lutte. C'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Parce que d'abord, c'est à vous que Ibrahim Traoré a couragé. C'est à vous que Ibrahim Traoré a promis de libérer le pays dans 3 mois. C'est vous qui êtes allé rencontrer Ibrahim Traoré pour son premier discours. Et Ibrahim Traoré a fait des promesses. Moi, c'est ça. Il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on soit sincère. Quand quelqu'un t'appelle et explique quelque chose, ça veut dire que la personne veut que tu suives ce qu'il fait. Donc, quand il n'est pas sur la voie qu'il avait tracée, ou vous-même vous avez tracée, mais c'est légitime de le rappeler, de l'interpeller. Ce n'est pas d'aller peut-être tenir des propos comme nous on le tient souvent. Parce que sur le net, il y a des propos que nous on tient. Bon, c'est le net. Et c'est l'occasion aussi de profiter et interpeller certaines personnes qui pensent que moi je parle dans un média public. Non, moi je ne suis pas à la RTB, ni à AIB, ni à BF1, ni à Omega. Je suis sur ma page. Et ici, ce n'est pas à quelqu'un de venir me dire de commencer par les biens, ce que Ibrahim Traoré a fait de bien, redescend. Non, ici ce n'est pas un média, ce n'est pas une radio ou une télé. Ici, c'est ma page. J'ai créé ma page pour un but précis. Donc, ce que je dévoile ici, c'est ça que j'ai tracé. C'est ma page. Maintenant, si tu as un plan, si tu sais comment dérouler le tapis, mais fais-le sur ta page. Nous allons venir aussi applaudir. Ici, c'est ce que moi j'ai. Je ne suis pas le seul Burkinabé. Vous aussi, quand vous avez quelque chose à dire, sortez, corrigez mes erreurs sur vos pages. On viendra apprécier. Donc, pour les politiciens, les gens sont dans l'ombre. Vous les voyez. Au lieu de venir parler de notre situation, vous voyez les efférents diabriques qui sont en train de parler de oui, j'ai tenu une conférence de presse, on m'a appelé dans telle réunion. Ce n'est pas l'occasion, monsieur Zéphérin Diabré. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Burkina. Et c'est vous que Ibrahim Traoré a appelé à Ouaga 2000. Vous êtes allé le rencontrer pour parler, pour qu'il vous explique pourquoi il a fait le coup d'État. Aujourd'hui, vous êtes en train de regarder le pays sombrer. Vous ne dites rien. Ce qui vous préoccupe, c'est des conférences de presse, de faire quoi? Et puis vous publiez ça. On n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à faire quoi de vos publications? Aujourd'hui, c'est le pays. Le pays est en train de disparaître. C'est le moment de vous mettre ensemble. Vous, les partis politiques, c'est le moment de vous réunir. Allez vous mettre avec la CGTB. Formez un camp. Un jour, vous sortez pour le 31. Mais si vous laissez la CGTB seule, c'est vrai que parmi la CGTB, il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont membres. Mais ce n'est pas le cas. C'est le moment de faire une coalition pour quand même tenir. Parce que ça ne va pas. Le pays est sombre. On n'accuse personne. Regardez les attaques aujourd'hui. Allez parcourir les attaques aujourd'hui. Chaque jour que Dieu fait, des Burkinabés tombent. Il n'y a pas ce jour qu'un Burkinabé ne tombe pas. Moi, j'ai vu sur les pages tout de suite, par exemple, on nous parle du sanglier. Il y a eu une attaque là-bas au sanglier où un directeur même a été tué. Qui a parlé de ça? Personne. Le Sahel, on ne parle même pas. J'ai vu sur la page de certains activistes là, où ils ont montré plus de 6 villages attaqués hier. Et vous voyez des gens manipulés qui disent que tout va bien. Et ils ont le... Ce sont les soutiens d'IB. C'est normal qu'ils disent que ça va. Moi, je ne veux même pas que les gens s'en prennent à ceux qui disent ça va, ça va. Non. C'est le soutien, même sur Roch Kabore. Quand on disait que ça n'allait pas, il y a des gens qui étaient sortis pour dire que ça va et ils ont dit de ne pas participer aux marches. Ce sont les soutiens du gars. Donc c'est normal qu'eux, ils luttent pour dire ça va. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Il y a des gens qui ne pensent pas au pays. Il y a des gens qui n'aiment pas leur pays. Il y a des gens qui pensent que à cause de telle personne, même si ça ne va pas, je dois dire ça va. Il y a des gens qui ont cette mentalité. Si vous regardez aujourd'hui, il y a des gens, parce qu'ils n'aiment pas peut-être Damiba, ils disent que ça va sous IB parce que lui n'aime pas Damiba. Il y a des gens, parce que moi je parle, il ne m'aime pas. Même si ça ne va pas, il refuse de dire que ça ne va pas. Sinon, comment vous allez comprendre qu'il y a des gens qui dorment à la place de la nation? Ils viennent de Gorgagi, de Silmagi. Ils sont à la place de la nation. C'est eux qui ont dit que la vie n'est pas dure. Mais ce n'est pas à Arbinda qu'on appelle Gorgagi. On n'a pas dit que les gens meurent de faim là-bas. Mais il y a des ressortissants qui sont à la place de la nation. Donc, à cause de lui, sa seule bouse là, il dit que tout son village, ça va. Il dort là-bas,
Et puis, il dit que ça va. Donc, c'est aux honnêtes citoyens de se lever et de redresser le pays. Il y a trop d'erreurs, on ne pourra même pas parler. Il y a trop d'erreurs. Et ce qui m'a beaucoup déçu, c'est la mort d'Ismaël Taoubourou. Moi, quand je continue de penser la manière dont on a tué le gars, souvent je rentre, je me pose la question, est-ce que c'est vrai? J'ai fait le rapprochement avec beaucoup d'événements qui se sont produits, des événements qui se sont produits dans d'autres pays, et j'ai fait la comparaison pour comprendre que nous, on ne mérite pas que les autres pays nous respectent. On ne mérite pas le respect. Je vous explique un peu. Par exemple, regardez le commandant Taoubougou, comment on l'a tué. Même si on reste dans l'explication qui a été donnée par les autorités qui disent que ils sont allés l'interpeller et suite à ça, il y a eu des tirs, des échanges de tirs, il a été tué. Même si on s'arrête à là. Vous vous rappelez aux États-Unis qu'il y avait eu des policiers qui sont allés interpeller un noir américain du nom de George Floyd. Et son arrestation a basculé au vinaigre, il est mort. Dans les conditions qu'on connaît. Vous avez vu que ça fait trembler toute l'Amérique et tout le monde entier. Vous n'avez pas remarqué? Mais c'était des gens qui étaient légaux. Des policiers qui sont allés interpeller quelqu'un. Même si la manière de faire n'a pas été bien, ce sont des gens qui sont mandatés pour le faire. Et le gars est mort. Même au Burkina là-bas, les gens se sont révoltés. Ils ont changé même leur statut en George Floyd. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre qu'est-ce que George Floyd a dit à ces policiers-là jusqu'à ce qu'on en arrive au drame. Les gens se sont révoltés. Deuxième cas, si on repart en France, vous avez vu qu'il y a eu deux mineurs, là, deux jeunes, je ne sais pas si c'est algérien ou quoi, qui étaient sur un volant là, ils étaient en train de conduire et les policiers l'ont interpellé. Ça c'est légal, ils ont refusé de s'arrêter. Ils ont continué et vous avez vu le drame qui s'est produit à la suite. Mais tout le monde entier s'est révolté. Les gens se sont levés, ils ont dit même si les gars ont tort, on ne doit pas les tuer. Vous vous rappelez, même au Burkina, ça a été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens ont dit quoi? Les gens ont dit qu'il mérite ce qu'il a fait. Il a suffi qu'on mente, mais les policiers ont dit quoi? Les policiers ont justifié pourquoi lui, il a tué George Floyd. Mais est-ce que les gens ont écouté? Non, les gens n'ont pas écouté l'explication du policier. En France, mais est-ce que les gens ont écouté? Les gens n'ont pas écouté. Au Burkina, il a suffi que quelqu'un sorte dire que le commandant Taoubougou a fait un coup d'état, a voulu faire un coup d'état, chose même qui n'est même pas vérifiée. Les gens ont dit c'est bien, il mérite ce qui lui arrive, c'est tout. Et on a balayé ça d'un revers de la main. Ni la justice ne parle plus, les citoyens, personne n'en parle, le MBDHP, personne. Les droits de l'homme, c'est-à-dire au Burkina, personne, les gens se sont tus. Vous voyez qu'on n'est pas un pays? Vous pensez que c'est comme ça les gens vont nous respecter? L'affaire de Karma, il a suffi que les gens disent des choses sur Karma et c'est terminé. Personne ne parle, 147, c'est fini, on ne parle pas. Vous voyez, on n'est pas sérieux. Et c'est ce que je dis, si Thomas Sankara, que vous célébrez, vous célébrez si c'était aujourd'hui. Si Norbert Zongo, c'était aujourd'hui. Dabo Boukari, si c'était aujourd'hui. Justin Zongo, si c'était aujourd'hui. C'était fini. On n'allait même pas parler. Puisque aujourd'hui, c'est quoi? On vous colle un procès. C'est-à-dire qu'on vous colle une étiquette et c'est terminé. Ça marche au Burkina. Soit on vous dit que vous avez pris de l'argent venant de la Côte d'Ivoire. Soit on vous dit tout simplement, oui, il veut déstabiliser le pays et c'est terminé. Personne ne parle. Les gens même vont sortir même des machettes, limer même à la télé. C'est-à-dire montrer ça. Montrer visiblement, dire on va aller couper d'autres Burkinabés. Et la justice, regarde, elle ne dit rien. Ça sera difficile que quelqu'un extrave quelqu'un pour vous. Quand vous demandez aux gens d'amener les gens et que les gens n'amènent pas, c'est parce que les gens vous suivent. On voit que vous n'êtes pas sérieux sur vous. Sinon, dans un pays normal, le procureur ne peut pas s'asseoir regarder des gens. Un journaliste qui va interviewer le président du Faso,
Et des gens même sortent publiquement, l'insulter, demander même à ce qu'on le tue. Je vais parler d'Ismaël Ouédraogo. Est-ce que le procureur a dit un mot? Le procureur n'a pas dit un mot, c'est normal. On circule. C'est-à-dire que, chez nous, il y a un problème. Et ce que Ibrahim Traoré est en train de préparer, après lui, ça va être un problème. Sous lui-même, ça va être un problème. Après lui, ça sera un autre problème. Il y a des gens qui n'avaient pas la parole. Il y a des moins que rien. Aujourd'hui, qui peuvent se permettre d'insulter quelqu'un croyant que lui, il peut faire quoi que ce soit. Mais après Ibrahim Traoré, les gens vont se frapper dans la rue. Attendez, il y a des gens qui parlent, ils ne savent pas que les gens n'ont pas peur d'eux. Mais souvent, c'est que les gens sont éduqués, bien éduqués. Sinon, il y a des gens, quand tu insultes, tu rentres, tu regardes, tu vois que lui là et toi, même si vous déposez côté Facebook, vous vous croisez tête à tête là. Lui là, il ne va même pas faire 2 secondes. Mais comme les gens se croient les élus au jour d'aujourd'hui, ils peuvent se permettre de tout. Souvent, regardez qui sont ceux qui vous insultent. Et les gens, on ne répond pas parce que quand on voit, on sait que lui là. Bon, c'est ça. Donc, il y a un problème qu'il faut que les gens se réveillent. Il faut qu'on corrige ça aujourd'hui. On ne peut pas fonctionner de cette manière. Ça ne va pas nous amener à quelque part. Le pays, ça ne va pas. Le pire est là. Ibrahim Traoré, même Ouagadougou, il ne contrôle pas. Comment on peut contrôler Ouagadougou et des gens sortent des massettes? Quand moi j'écris ça, les gens ne savent pas pourquoi je dis ça. Ils ne contrôlent pas Ouagadougou. Comment ils contrôlent Ouagadougou et il y a des machettes? Mais je vais vous prendre un autre exemple. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, les Lota, les autres là, ceux qui ont été condamnés pour l'affaire d'incendie du palais du Moro Naba. Mais ce sont des rumeurs sur Facebook. Et le procureur s'est saisi de ça, il les a mis en prison. Vous voyez, l'injustice, ça ne peut pas construire un pays. Vous voyez, quand on choisit d'autres qu'on met en prison, d'autres font pire que ça, on les laisse. Il y a des gens qui font des choses aujourd'hui que si on va faire la comparaison avec l'affaire de l'incendie du palais du Moro Naba, mais on doit interpeller ces gens aussi, mais on ne dit rien. Est-ce qu'il y a pire plus que quelqu'un qui taille un couteau, qui dit bon, qui est en train de scier, il dit bon, je vais aller couper des syndicalistes. Des syndicalistes même qui ont commencé à lutter bien avant que lui naisse. Et lui, il ne comprend même pas qui sont même ces syndicalistes. Il sort physiquement, il montre aux gens qu'il va les tuer ces gens. Le procureur regarde. Est-ce qu'il y a pire que ça? L'affaire de l'incendie du Moro Naba est ça. Est-ce que ça ne valait pas la peine qu'on interpelle ceux qui font des vidéos ou même ils demandent à aller tuer d'autres Burkinabés? Ça ne mérite pas. Mais est-ce que le procureur dit un mot? Ça ne va pas nous conduire à quelque part. C'est du cinéma qui ne va pas nous amener loin. C'était la petite remarque que je voudrais que les gens comprennent. Maintenant, on va repartir au drame de Yamba. Ça continue, le drame continue de dévaster des familles. Moi, je reçois permanemment des messages où les gens m'envoient, disent, mais c'est la désolation en famille, c'est la tristesse. On est assis plus d'une semaine. Et il est parti au combat là-bas. Après, on n'a pas de ses nouvelles. On appelle son téléphone, ça ne passe pas. Il y a son frère qui me dit, bon, j'appelle son ami qui est gendarme. Lui aussi, il vient du même village que nous. On l'appelle, mais il fuit le regard. Quand on communique avec lui, et on sent qu'il est au courant de quelque chose, mais il ne peut pas dire. Bon, quand lui aussi, il repart en famille, tout le monde est assis, les voisins sont venus. Bon, on ne sait pas, pleurer pour la mort ou pleurer pour disparu ou pleurer pour blessé. On ne sait pas. Il dit que tout le village, quand vous arrivez, voilà, la maman est par terre là-bas, toute la famille. Bon, on ne sait pas, on pleure, on fait quoi? On ne sait pas, tout le monde est assis. Son numéro ne passe pas. Quand tu appelles ses collègues, les gens fuient ton regard. Bon, quand lui aussi il revient, il ne peut pas dire aux familles là, bon, j'ai appelé, mais bon, selon ce que j'écoute, je sens que ça ne va pas. On ne dit rien. Et c'est ça, j'ai dit, c'est pas bien. Et c'est aussi interpeller la hiérarchie. Ne soyez pas complices du désordre de Ibrahim Traoré. Vous avez fait des écoles de guerre. Vous avez dévancé lui-là dans l'armée. C'est vous qui l'avez formé. C'est ça aussi le problème. On n'a pas une armée solide. On n'a pas de fondement, on n'a pas de base. IBP dirigeait le pays, c'est normal. Mais jusqu'à venir disloquer l'armée, semer le désordre, vous ne devez pas permettre ça. Il y a des choses que vous ne devez pas vous mettre là-dedans. Vous ne devez pas jouer son jeu. Il y a des choses que vous devrez lui dire.
Ici là, on ne peut pas faire ça. Ici là, on ne doit pas accepter. Ici là, on ne doit pas franchir. Mais si vous tous, vous vous mettez de côté et vous laissez Ibrahim Traoré marcher sur tout le monde, il enlève même ceux qui l'ont montré comment même on attrape fusil. Il choisit de qui il doit tuer. Il choisit de qui il doit radier. Des gens qui sont allés se former avec l'argent du pauvre contribuable burkinabé. En armement, ils sont revenus pour servir le pays. Pour des faux trucs, on les radie de l'armée. On les met de côté. Et vous êtes assis, vous regardez. Des gens qu'on manipule, on ment. Parce que ces gens ont refusé de jouer aux jeux d'Ibrahim Traoré. Ils se permettent de les enlever sous le regard de vous, la hiérarchie. Vous ne faites pas honneur à notre pays. Il peut diriger le pays. Il peut manipuler les civils. Mais vous, l'armée, il devrait avoir des bases. Et c'est ça notre problème si on n'arrive pas à s'en sortir. Ailleurs, là, un président ne peut pas venir marcher sur l'armée. Il ne peut pas venir décider de qui. Il peut faire des remaniements. C'est normal. Mais au même, pour les remaniements, ça doit suivre la logique. Parce que si vous envoyez un capitaine pour aller commander un lieutenant-colonel, mais on ne peut qu'avoir du désordre. L'armée devrait tenir compte de tout ça. Si Ibrahim Traoré doit faire les changements, vous devez refuser qu'on amène un capitaine à aller commander des supérieurs. Ça, c'est les fondements de l'armée qu'on ne peut pas bouger. Quel qu'en soit le président qui vient, il ne doit pas pouvoir mélanger les gens. Mais si vous êtes assis en train de regarder, il mélange tout, il fait tout, vous êtes assis. Vous regardez, il peut être président, c'est normal. On ne choisit pas de grade pour être président. Là-bas, c'est le courage, il est président, oui. Mais ne lui permettez pas de casser l'armée, d'enlever des gens. Regardez même, je vous parle du commandant Taoubou, comment on l'a tué. Vous êtes assis, vous regardez. On vous manipule de faire une note qui n'est même pas à l'honneur même de notre armée. Vous êtes assis, vous regardez. Est-ce qu'on peut aller à quelque part? Le peuple peut être manipulé. Mais c'est à vous, l'armée, de redresser le peuple. Aujourd'hui, vous voyez que le pays est en train de sombrer. On a manipulé les gens. On a redirigé les gens vers la France en disant que c'est la France le problème. Vous pensez que ces gens vont faire quoi? Ils sont assis, ils ne comprennent rien. C'est à vous, l'armée, de redresser le pays. Vous voyez que tous les villages sont occupés. Les attaques, c'est tous les jours. Vous êtes assis en train de regarder. Vous voulez qu'on compte sur qui? On ne peut pas compter sur Ibrahim Traoré parce que lui, il ne veut pas aller aux élections. Parce qu'il ne veut pas aller aux élections, il ne va pas lutter. Il a dit que sans paix, on ne peut pas aller aux élections. Et c'est lui encore qui dit qu'on peut aller partout, au Burkina. Voici une note qui vient de sortir dans le centre nord, où on interdit encore de rouler les motos à l'oba, tricycle. Pourtant, il dit qu'on peut aller partout. On peut aller partout et puis vous interdisez qu'on ne roule des motos dans des coins. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller. Quand nous, on vous dit qu'on ne peut pas aller, vous dites, vous déclarez, mais dans les actions, ce n'est pas ça. Ils ont suspendu encore les motos à l'oba, Fortune, les motos Tanta Sanili, jusqu'au 31 décembre. Pourquoi on ne peut pas les rouler? Parce qu'on ne peut pas rouler. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a des gens qui disent qu'il a pris l'argent. Vous pensez que ces politiciens qui ne peuvent même pas d'abord même se mettre ensemble même pour faire une déclaration, ces gens-là peuvent donner l'argent à quelqu'un? Ces gens peuvent donner l'argent à quelqu'un? Vous ne connaissez pas les Burkinabés. Vous ne connaissez même pas les politiciens. Moi, mon combat, ce n'est pas pour les politiciens. Si c'était pour eux, j'arrêtais le combat. Parce que d'abord, s'ils ne peuvent pas s'unir pour faire une déclaration, ils sont assis, ils regardent le pays sombrer. Pourtant, les mêmes là se sont battus sur Okabouré. Moi, je ne peux pas mener un combat pour ces gens-là. Je ne peux pas mener un combat pour les politiciens. Moi, je parle parce que des gens meurent en province. Je parle parce que j'ai des villages qui ont déguerpi. Je parle parce que, loin de Ouagadougou, on ne peut pas appeler les gens à un barbecue. Barbecue activé à la rond-point Ibrahim Traoré. On ne peut pas faire ça loin de Ouagadougou. C'est pourquoi moi je me bats. Sinon l'argent, vous pensez que l'argent ne peut pas remplacer la vie. Il y a des gens quand ils rentrent la nuit, ils veulent se lever le matin, entendre que moi je suis mort. Il y a eu combien de fois que les gens ont dit ici que moi je suis mort. Vous pensez que l'argent, on peut payer quoi avec ça? On ne peut pas payer la vie avec l'argent. Quand vous parlez, il faut rentrer souvent réfléchir. Il y a des gens qui sont là tous les jours, ils nous maudissent en live là. Vous ne voyez pas? Allez sur TikTok. Il y a des gens, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait de moi? L'argent là, tu peux payer ça? Non, c'est parce que la lutte, elle est noble. C'est pourquoi on ne calcule plus ça. Sinon, les politiciens, va les trouver. Vous êtes là-bas ensemble, non? Si tu connais un politicien, tu connais quelqu'un
qui a un parti, prends son numéro, écris-le. Dis-lui de t'aider à elle l'argent, tu vas voir. Tu penses que les gens donnent l'argent aux gens? Si tu commences à causer avec lui, parle de l'argent, voir. Demain, tu ne vas même plus pouvoir l'écrire. C'est ça. Mais comme on a mis dans la tête des gens que toute personne qui parle, c'est l'argent qu'il a pris. Vous êtes avec eux là-bas, c'est vos oncles, non? C'est vos cousins. Écrivez-les. Dites-leur que vous êtes en manque d'argent. Il n'a qu'à vous soutenir. Vous allez comprendre que les gens ne donnent pas l'argent aux gens. Ils aiment ce que tu fais. Ils sont en cassette. Ils viennent en cassette. Suivez tes vidéos si ça les arrange. Mais ils ne viendront jamais. Dis-lui là, ah, voici. On peut lutter. On peut donner des informations. On peut le soutenir. Ils ne viennent jamais. Ils sont assis dans le noir. Ils viendront quand la lutte a une victoire. Le jour qu'on dit à victoire là, c'est eux qui vont se réunir à Ouaga 2000 pour dire comment on va faire. Mais comment on a fait pour arriver ici là? Ça, c'est pas leur problème. Nous, on a mené nos combats ici sur Okabore quand les gens se sont réunis là-bas. Quelqu'un m'a appelé. Souvent, il y a des choses, je ne parle pas. Mais ne me mettez pas hors de moi pour que je parle à des gens que je n'étais pas venu pour parler à eux. Nous, on a mené nos combats sur Okabore ici. Quand Damiba est arrivé, ils se sont réunis. Qui a pensé à moi? Quelqu'un m'a appelé. Allez leur demander voir si quelqu'un, parmi eux, quelqu'un m'a appelé. C'est nous qu'on a insulté ici. Mais on parle pour le pays. Quand tu nais dans un pays, si tu vois l'injustice, même si tu es seul, faut dire ça. Il ne faut pas aller suivre les gens. Il y a des gens qui sont manipulés. Si Dieu a fait que toi, tu n'es pas manipulé, ne te mets pas avec eux. C'est tout. Sinon, je peux faire comme tout le monde, je m'étais et puis ça part même pas quelque part. Moi, je m'étais aujourd'hui, qui va me dire de sortir parler? Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis sur la toile. Mais quand on veut que les gens ne viennent pas t'écouter, on dit qu'il a pris l'argent. Quand on dit qu'il a pris l'argent, ça s'arrête là. Donc, ce n'est pas l'idée. Donc, on continue. Je vais terminer vite. Vous voyez, je vous paye une petite... je vous donne une petite idée. Regardez, quand nous, on vous dit que les gens ne nous respectent pas, ils ne nous calculent pas, ils trouvent qu'on n'est pas sérieux. Vous voyez que Poutine veut donner des vivres à la bande de Gaza. Vous voyez l'affaire d'Israël et consorts. Et Poutine veut donner des vivres là-bas. Mais c'est le même Poutine, depuis 4 mois, a promis de donner du blé au Burkina. Quand on vous dit que il faut être sincère vous-même. Mais Poutine même a raison de ne même pas nous donner quelque chose. Puisque Ibe a donné les vivres au Niger. Pendant que Gorgagi meurt, pendant que Arbinda meurt, pendant que... comment ils appellent ça? Pendant que... Voilà. En tout cas, toutes ces villes-là meurent. Ibrahim Traoré a convoyé 500 véhicules jusqu'au Niger. Poutine a vu ça. Comment il va vous donner du blé encore? Donc, je parle seulement pour vous faire voir comment les gens ne nous respectent pas. Il a promis le blé depuis, il ne nous donne pas. Elles, on parle d'armes même. Rien, mais c'est nous qui chantons le nom de Poutine tous les jours. Voilà. Suivez bien. Il a promis de donner des vivres à la bande de Gaza. Vous allez voir. D'ici là, vous allez apprendre qu'il a remis les vivres là-bas. Pour nous, là, on n'a qu'à attendre. C'est pourquoi notre affaire des centrales nucléaires, là, ça, là, c'est un projet à long terme. On va attendre. C'est déjà bien l'idée. Mais on va attendre. On va attendre. Sinon, ça, il faut qu'on attende. Les promesses, les gens nous le font, mais ils regardent comment nous, on se comporte. Ils regardent comment on se comporte. Si nous-mêmes, on est sérieux, on est sincère, les gens nous accompagnent. Mais si nous-mêmes, on montre que tout simplement, on n'est même pas sérieux. Ils regardent notre armée, des gens qui sont assis, le capitaine arrive, il mélange tout le monde, il tue celui qui veut, il renvoie celui qui veut, et puis il fait tout ce qu'il veut. Les gens disent, mais attends, on est dans quel pays? Le gars là, il fait ça là, pendant que des généraux sont là, des officiers supérieurs sont là. Mais vous êtes quel pays? Donc, on finit. Les gens disent, bon, ceux-là, ils ne sont pas sérieux. Il ne faut même pas les considérer. Maintenant, ils mettent des gens sur la toile qui embobinent tout le monde. Et puis bon, les gens accompagnent. On sort à la télé. S'il y a un drame, on sort. On fait des manipulations. On fait des jeux vidéo. On montre aux gens. Les gars ne vous respectent même pas. C'est-à-dire, ils eux-mêmes ne respectent même pas le peuple burkinabé. Ils font des jeux vidéo à chaque attaque. Ils mettent. Les gens disent, ah, il y a des victoires. Il y a des victoires. Les gens qui tombent là, ce n'est pas leur problème. C'est des analyses là, depuis 12 mois, chaque soir à la télé, si ce n'est pas 60 djihadistes, c'est 100. Si ce n'est pas 80, c'est... ils sont même allés jusqu'à dire qu'ils ont tué 500 djihadistes. 500 djihadistes,
Et au même moment, le matériel que les djihadistes récupèrent de nos soldats sont exposés sur la toile des véhicules même. Les gens voient tout ça. Mais il y a des gens qui ont été capables d'aller même dire que le matériel que vous voyez là, que ce n'est pas pour le Burkina, que ce sont les djihadistes qui ont repeint des véhicules pour faire la propagande. Vous voyez des Burkinabés qui disent ça. Au lieu de se poser la question de dire au chef de l'État, comment se fait-il que on amène tout cet armement-là à lieu de ravitailler les djihadistes et on court pour dire c'est la France qui donne l'armement, ce sont des puissances extérieures. Mais c'est que les gars viennent ramasser. Nous-mêmes, on les ravitaille. Ils n'ont même plus besoin d'aller payer. Malgré ça, on va trouver moyen de dire que ce sont des gens qui les ravitaillent. Vous voyez? Et à la télé, ce sont des victoires. Posez-lui la question. Depuis que tu es venu, il y a eu combien de djihadistes que tu as tués? Ça reste combien? Et c'est quand on va en finir? Personne ne dit un mot. Les taxes qu'on a mises sur les produits, demandez-leur, vous récoltez l'argent. Comment on l'utilise? Et c'est pour combien de temps on va couper les taxes? Combien on en a toujours besoin? Ce sont des questions qu'on pose et ça aide le pays. Mais quand tu veux dire ça, vous voyez, ceux qui sont manipulés vont sortir de t'insulter. Mais nous, on ne se préoccupe pas de ça. Nous, ça, ce n'est pas notre problème. Donc, je vais m'arrêter là et vous dire merci. Merci à tous ceux qui aiment ce que je fais. Et si vous venez souvent et qu'à la fin de la vidéo, il faut partager au maximum parce que c'est devenu la guerre des médias. Il faut partager pour que les gens écoutent parce que la manipulation est de taille. Souvent, je ne demandais même pas aux gens de partager. Tout simplement parce que, bon, la vidéo, il faut être... il faut que ça te convainc d'abord avant de partager aux autres. Mais je vois que la manipulation est de taille. Quand vous regardez un peu partout, les gens ont créé de faux comptes, les gens ont créé de faux profils. Et avec ça, ils utilisent pour mentir. Souvent, je rentre à quelque part, je n'ai même pas besoin d'écouter. Tellement que les gens mentent. Vous voyez, il y a trop de mensonges. Donc, par moment, quand il y a une petite vérité, il faut partager pour que les autres qui n'ont pas entendu là puissent entendre et fassent attention. Quand ils vont aller sur les pas des autres menteurs là, ils vont prendre le temps d'écouter et d'aller réfléchir. Ça permet tout simplement de libérer notre pays. Ça permet de ramener d'autres personnes. Il y a des gens, ils ne sont pas informés. C'est pourquoi ils se laissent. Il y a des gens, s'ils sont informés, ils ne vont pas se donner à ce cinéma. Donc pour le 31 octobre, sortez massivement accompagner la CGTB. Elle ne sort pas contre le pouvoir. Elle sort pour demander une amélioration des conditions de ceux qui sont dans les provinces. Parce que les gens disent que le problème, c'est ceux qui sont dans les provinces, dans les villages. Oui, la CGTB sort, c'est pour eux. Ce n'est pas pour vous qui sont à Ouagadougou. Ce n'est pas pour vous. Vous qui êtes à Ouagadougou, ce n'est pas pour vous. Et la CGTB sort pour ceux qui sont dans les provinces, dans les villages. Ceux qui n'ont pas à manger, c'est pour eux que la CGTB sort. Donc, à tous les politiciens, mettez-vous ensemble. Faites une déclaration commune. Joignez-vous à la CGTB, c'est le moment d'aller. Maintenant, aux médias professionnels, c'est le moment aussi de sortir, aller vous mettre avec ces gens. Il y a comment ils appellent ça? Le CSC, où Ibrahim Traoré veut marcher, c'est le moment de vous mettre là. Les magistrats que Ibrahim Traoré veut marcher dessus, c'est le moment de vous rallier à ces gens. Faites quelque chose de commun. Ibrahim Traoré ne va pas mettre tout le monde en prison. Faites une coalition. Parce que si vous allez en rang dispersé, on va vous marcher dessus. Mais si vous allez ensemble, l'union fait la force. Merci à tous.